Et salut à tous, c'est Redcom, j'espère que vous allez bien. On est là pour la React du programme spécial 3.0 de Genshin Impact qui a eu le live Twitch à 14h et la vie est donc sur YouTube à 18h. Bon, malheureusement, moi j'étais en train de travailler donc j'ai pas pu publier immédiatement et Hello, réagir Xu Zhe. immédiatement. 来到须弥，经历了漫长的筹备阶段。 Donc là on va être la React, on va réagir, etc. Et donc là 3.0 concerne Sumeru et le nouveau patch. Donc une nouvelle nation avec l'élément d'Ebro qui sera rajouté. Et donc on aura les 7 éléments. L'histoire à propos de Sumeru. Là, ça va vraiment se concentrer sur Dendro. On sent qu'il n'y a plus trop de joueurs. De l'Imir aussi. Oh, stylé. Comme divinité de la salle. D'accord, c'est la montée de l'omnipotence. Ça. D'accord. Donc c'est elle. Donc Kusanagi. The most important performance at the Sub-Eros Festival. The goddess of flowers began to dance. Countless beautiful parisars began to bloom wherever she stepped. Ok, donc elle redonne un peu. C'est un peu celle qui redonne la vie à Sumeru. With this tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on our special day. D'accord, donc ils se font un anniversaire pour elle tous les ans, quoi. En tout cas, les lieux sont magnifiques, hein. C'est vraiment très très beau. Ok. J'aime beaucoup la musique aussi, le thème de Sumeru. Thème très oriental. Parce que Sumeru est basé sur l'Orient. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time. Les zones de cécité, des zones corrompues. La Tignari, 5 étoiles. Déjà 2 archers. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'archers de ce nom. Ah, bien sûr, ils vont en parler en détail des capacités des persos. Là, on va juste apprécier de ce qu'ils font. Mais le thème de Sumeru est excellent. En vrai, c'est un thème oriental, je pense, plus Moyen-Orient et Inde, je pense. Dory. Le thème, il est excellent. Ah ouais, maintenant on est parti sur la hard l'arme. On va dire sur la hard l'arme base là. Ça part en dubstep le truc. The Grand Sage ordered us to stop the performance. Maybe they see Lesser Lord Kusanelli's birth as confirmation of Greater Lord Rukadavata's death. D'accord. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Donc il y a un conflit progrès et tradition. It looks like he used the divine knowledge capsule. Oh. The Sub-Zeru's festival. Boss? Go celebrate the birth of that god. What's happening? Oh, come on. Our Archon created the utopia that is Sumeru City. All scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. D'accord. It would be too risky to continue the Sub-Zeru's festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. We don't have any more festivals to waste.
Ça va être vénère, Sumeru. Hein. Surtout que l'ancien archon qui disparaît et tout, que le monde l'oublie. Donc ça, c'est l'archon qui a disparu. The man of... The man a thousand rose brings. Ok. 在今天的节目中啊，我们邀请了原神的IP负责人小罗浩来到现场，来跟大家聊聊有关须弥的一些情况。旅行者们，你们好呀，很高兴也很荣幸和大家再次见面。须弥可以说是备受期待啊，一来呢，我们终于在草之国迎来了草之国，是说tous les mondains, donc ils font une apparition. Thématique, la sagesse. 而须弥城就坐落在须弥东部的大片雨林之内，3.0版本我们旅行者的故事呢，也将在这片新鲜的土地上展开。通过走进梦里行，或者说是漫天的黄沙，旅行者们会一步一步的去了解这座智慧的城邦。来到一个新的国度啊，大家可能最好奇的就是这个国度的神明了。在之前的须弥的前瞻短片中啊。 我发现草神的七天神像，这地方都不太一样，像个小巧的神。对，是小很小的。我用是基拉贡，拉贡苏美翁是基耶。同样也拥有着古老的、经过沉淀的历史，但是须弥的神明呢，小吉祥草王却比这个国度要年轻不少。小吉祥草王是在大约500年前，也就是坎瑞亚灾变之后才刚刚诞生的。 他接替了逝去的前任草神大紫树，成为须弥的至高之神。但对于我们普通人来说是有些抽象，或者说有一种遥不可及的感觉。但对神明来说，也许或许是。那个时候，当时的人们已经过世了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 。那
Mais on sent que la forêt est beaucoup plus complète en termes visuels. Je trouve que mon stade, Warman Liwe, pardon. Garde forestier.提纳里他作为专家拥有很丰富的知识储备，工作态度严谨细致，对同伴和下属呢也十分的关心，他在巡灵队里面很有名望，是公认的一个领头人。不同于有些只关注刻板研究和书面知识的迂腐学者，提纳里他说话干脆，做事利落，同时又很会对症下药，有他在，遇到危险的人就能快速的脱离险境，获救者们通常也都很感谢他。但是在被救的人里面，偶尔也会出现一些屡教不改又总是惹各种麻烦的人，他们会乱扔垃圾，污染环境，乱吃森林里的毒蘑菇，对于这些人，提纳里则会毫不客气的去教训一番。听上去雨林和人类是在互相制造困难呢，而巡灵官需要去解决双方产生的问题啊，有的忙了啊。是啊，除了人为的因素，雨林自身也存在着不少问题，比如说巡灵队们正在治理的一种叫做死域的现象，它会危及雨林中各种动植物，甚至是穿行其中的人类的生命，只有神之眼持有者才能抵御它的侵蚀。但有关死域的更多故事，大家可以在虚拟的魔神任务以及其他的传说任务波普之殇中去更加深入了解。quête d'histoire pour Tignari。接下来的这位角色科莱是一位见习巡灵员，听上去应该是提拉的下属。Subordonné à Tignari et qui est 4 étoiles, c'est bien.科莱有一段沉重的往事，他经历过病痛、实验和逃亡，最终呢在蒙德被我们热心的西风骑士团救下。当时曾经在秘密教练院求学的丽莎就联系了他的老师，于是科莱就被教练院的使者塞诺带回了西米。这段往事也就此告一段落。现在的科莱长大了好多，看来他在虚弥成长了不少呢。确实啊，成长的过程呢总是会面临挑战。童年的经历，je pense qu'elle aura peut-être une quête histoire avec le retour de son passé. Vous savez, en mode on va l'avoir traumatisé parce qu'elle va peut-être voir tel pélo qui lui faisait des expériences, ce genre de trucs. Surmonter son passé d'une personne immature. Je sens qu'on va avoir des moments, des trucs de son passé qui va ressurgir et qu'il va devoir faire face.真是让人欣慰啊，这种走向美好未来的感觉。是，当前身处巡灵队的科莱已经跟之前有很大的不同了，那么他今后的变化呢，就请旅行者和我们一起去见证吧。完了。那么在告别了稻城林之后，终于要来了吗？这座围绕巨树建成的城市应该就是须弥城了吧。是的，须弥城依托巨大的圣树而生，它拥有上下很多层结构。那大家从树根处出发，最先见到的是很具有生活氛围的大巴扎。这些极富须弥风情的建筑群里有不少大家将来会经常拜访的场所，其中有些是我们的老朋友啊，比如说冒险家协会，还有一些呢则是新的面孔，比如说祖拜尔机场、普斯帕咖啡馆等等。看来在学术之城啊，一杯提神醒脑的咖啡是必不可少的。说到学术啊，我们从大巴扎再往上走，就终于会抵达位于我们树干中间部位的教令院。在这里呢，大家会见到一起讨论的，或是独立的问题的很多学者。我们在前面介绍过，教令院共有六大学派，同属于六大学院。
每个学院都有自己的代表颜色和代表标志。大家如果来到教令院，如果搞不清，c'est vraiment bien représenté. Personnellement, j'apprécie. 可以通过辨认他们身上院徽的颜色去区分他们的学派和学院。哎，说的我有点好奇啊，自己可以加入哪个学院呢？刚刚说教令院是在苏干的中间啊，那也就是说在上面还有别的地方吗？哎，对，c'est comme six groupes, 在靠近树顶的位置呢，有一座人迹罕至的宫殿，它坐落在这么独特的地方。可能察觉这一点的大家心中已经有了一些自己的猜测吧。不过想要进入这个宫殿可不是一件容易的事情。那实际上虽然须弥城里面又热闹又繁华，来往的客商旅者呢可能会察觉，大多数须弥城市人对于大慈树王的传说耳熟能详，但对于现任的小吉祥草王却知之甚少。L'ancien archon et ok, ils savent beaucoup sur l'ancien archon, mais pas la nouvelle. 有意思的是，可能会在这里遇到不少限制和麻烦，所以前往须弥的另一个地方，奥摩斯港或许是一个不错的选择。我听说奥摩斯港是个与须弥城不同，是一个很自由的商港，然后汇聚了众多的商人和旅团，说不定从他们那里啊会听到许多新故事。确实。奥摩斯港呢，它是承载了须弥对外贸易的港口，这里有许多来自其他国家的商人和他们的船队。由于这一带人员混杂，交易频繁，位置呢又远离须弥城，它受到教令院的管制呢会相对宽松一些，算是在须弥方便进行灰色交易的一个地带。啊，众所周知嘛，交易就一定会出现商品。我好像明白了，这里应该要多利登场了吧？啊，对，没错。下面就有请我们神奇的旅行商人多利，又是一位很可爱的角色啊！啊，作为一个爱财如命的商人啊，多利啊，他只要有钱，什么生意都敢接。只要你买他的货物，他就会以极大的热情来对待你。多利非常有意思，他身上同时拥有很多个须弥之最啊，最不可思议的渠道，最神奇的商品。最难以预测的出没地点和最离谱的要价，虽然它报价总是很惊人，但是如果想得到一些无法从正常渠道购买的特殊商品，那可能还是不得不和它进行交易。而且多利确实是一个销售奇才，他能用精湛的话术说服客人们乖乖掏空腰包，就连神秘的灯中精灵都会为他提供帮助。在我们 3.0 版本中，须弥的魔神任务第一幕穿越烟尾与暗灵和第二幕千朵玫瑰带来的秘密都会向玩家朋友们开放，而整个须弥的主线剧情将会从 3.0 一直贯穿到 3.2 version 3.0 et la version 3.2 pour l'histoire principale。 这么看来这次的剧情信息量很大呀。是的，不论是对于我们这些内容创作者来说，还是对即将启程前往下一站的旅行者来说，我们的旅途都进入了一个新的阶段，这是一个传承、转折和延展的阶段，富有生命力，当然了，也会极富挑战性。我们会怀抱着一直以来的原则和坚持，继续去探索、去创新，竭尽我们的所能，为旅行者提供更丰富、更优质的内容。也衷心希望我们的玩家朋友能在全新的土地上感受到这种生命力，看见新的可能和新的缘分，去进行享受在须弥的这段旅程。Oui, on va profiter parce que ça fait un bout de temps qu'on est resté à Inazuma. 有了一个初步印象了。不过除了角色和故事啊，我也很好奇啊，在须弥的大世界探索当中又有哪些值得关注的内容呢？那就请大家继续深入须弥去一探究竟了。接下来啊，就请大家和我一起去探索须弥地区的野外风光吧。小洛同学先走一步啦。哦，一步送你。On a le premier code, donc vite fait, j'explique. Donc là, on a Tignari. Là, on a l'archon d'Endro actuel. Là, celle-là, spoiler alert, on va pas se mentir, c'est l'ancien archon. Là, on a Delia et lui, ça doit être l'un des chefs des Sages Academy. Donc là, le premier code, on va le passer, pas besoin d'attendre. Mais très belle image que l'on a. On a déjà parlé beaucoup de 虚拟的故事还有风土人情。那接下来我们还邀请了两位制作组的同学和旅行者们一起走进须弥的野外，聊聊这片奇幻天地的区域设计和战斗设计。那先来认识一下我们两位向导。旅行者们好，我是关卡设计师阿川。旅行者们好，我是战斗设计师阿强。好的，既然两位是我们的向导，那我们应该从哪里开始去了解须弥的大世界设计呢？那由我来先开个头。
其实从之前的一些宣传视频呢，大家都应该有了解到，须弥同时存在着雨林、沙漠，还有各种各样充满异域风情的场所。On l'a bien compris. 那么我们设计须弥场景的时候呢，就有一个贯穿的概念，就是去营造这些比较对立的场景主题。我们在宣传视频啊，多多少少都有看见过一些啊，但具体到 3.0 版本呢，在这个版本里啊，那旅行者会领略到什么样的视觉内容呢？在这个版本呢，我们展现给旅行者的是以森林为核心的场景。在创作过程中呢，大世界的团队成员们一起用森林、植物等元素，environnement fantastique pour créer différents expériences visuelles. Avec Paul Plante, c'est vrai que ça c'était très joli quand je l'avais vu. 构思玩法与探索内容，je crois dans l'un des programmes spéciaux, ils avaient montré. 生命、成长与幻想，其实也不都是正面的意象，自然而然也会想到枯萎。凋零、死亡之类的概念。Je te souviens de la mort. 我们把这些关键词反映在玩法上，构思出了可以发生三态变化的物件，它代表着植物生长的几种状态，每个状态都有不同的反馈与交互，等待玩家去发现。哎，稍等哦，在前传短片里啊，我们确实有看见过多态转换这个概念，但可能大家都还不太熟悉啊，你们能多介绍一下吗？多态转换这个理念是围绕草元素产生的燃烧、绽放，还有trois sur brûlure, fleurissement et catalyse. 有一部分草元素物件可以和水、雷三种物件产生三态转换。D'accord, 这是一种须弥地区特有的生态特征。感觉我们和场景的交互感也会变得更强了。是的，我们刚刚说到生命和凋亡这种对立的概念。那么接下来我们就想到，这个概念能不能成为世界任务的主题呢？所以我们构思了代表生命的森林中的小精灵，还有代表凋亡的死鱼，这两者的对抗就是 3.0 版本世界任务的核心。这些小精灵的样子很有趣啊，而且个体的外形也不一样，他们是不是也和提瓦特的人类一样，有着自己独特的生活圈子？关于小精灵们的渊源呢，还有生存方式都是很有意思的。不过为了让玩家朋友们能够更自然地接受新设定，我们会去细致的刻画小精灵与须弥居民的关系，增加玩家的沉浸感。回过神来的时候，旅行者们就与这些森林朋友们一起踏上了冒险旅程。玩家会和他们一同游历常年下雨的雨林、巨大的蘑菇组成的生态，以及沉睡在山边的庞大机械器官。每当玩家踏入一个新的神秘场景，都会发现更多小精灵。D'accord, on va voir ces petits esprits qui se baladent dans le forêt tropicale. 之后又会发生更多的故事。看来这会是一次奇妙的旅程呢。也不用着急下结论，我还想给大家展示下一片没有任何生命气息的凋亡森林。Un monde au souffle de vie. 看上去有阴森森的。Pourtant, il y a des plantes. 对呀，这里发生过什么故事呀？这个我还是先在这里卖个关子吧。剧情相关的内容还要等大家亲自来体验的。我只能说，森林中还有很多故事与秘密等待着旅行者们去发现。En vrai, on dirait pas, mais la zone de cécité m'intéresse énormément. 带我们游览了须弥的野外风光。不过离开了城市啊，肯定少不了需要暂住的场合。我也来请教一下阿强，旅行者在须弥的战斗会有什么新变化吗？提到战斗中的变化，那还是要从草元素以及草元素相关的反应开始讲起。刚才我们已经在多态转换里提到了草元素的三种反应，燃烧反应我们之前已经接触过了，草和水所产生的绽放反应，草和雷所产生的激化反应，都会在 3.0 版本中实装。这两种反应的变化是我们不会把那些东西很重要，生物受到水元素草元素影响后将会引发绽放反应，产生草原核，草原核可同时存在一定数量。Un certain nombre d'éléments peuvent dendro peut exister, un noyau pas. Ce dernier explose. Il y a peut-être un perso qui va jouer sur ça. De dégâts dendro, d'accord. Pour le type tentaculaire, d'accord. Stimulation se déclenche. Fait passer une créature en état stimulé. Lancer une attaque électro, d'accord. Action sur activation se déclenche. Augmente les dégâts électro infligés par cette attaque. Une attaque des droits infligés, aurait sur propagation se déclenche. Moins dégâts des droits infligés par cette attaque. D'accord. Ouais, ça va beaucoup jouer sur les réactions élémentaires avec Dendro. 除了草元素旅行者外，
De nos pèses Tina et Koya utilisent l'élément dendro au combat. Ça, on le savait. Alors, les aides d'Iptune. Tic Nari, le tir visé peut être chargé deux fois. Oh. Pour tirer une flèche forale qui gère des flèches feu pour soi automatiquement. Ok, des flèches auto pour le deuxième truc. Comme ça, c'est mental, permet de créer un champ de machin qui trouble l'ennemi grâce à une illusion. Ah, pas mal. Pour fuir un peu. Il doit dire autant de charges des trois prochaines flèches forales. Ah oui. C'est vénère. Vu qu'il utilise son déchaînement élémentaire, tient un grand nombre de flèches qui poursuit les ennemis. Il crée même une seconde vague de flèches de lien après avoir touché. Dans sa chargée, les déchaînements élémentaires de Tinel fait des dégâts sur plusieurs fois. Dégâts d'éventuels augmentés aux réactions élémentaires des droits. Comme ça, en pratique, Tinel permet d'indiquer les produits de Sumeru sur un mini car. Ah oui, c'est marqué. En tant que brigadier forestier, il est un explorateur en matière d'aventure dans la nature. C'est pas mal ça. En vrai, donc si vous, vous avez des persos d'Endro, il faudra surtout jouer avec une équipe pyro, hydro et électro. Et avec, j'ai fait des gars aux ennemis touchés par l'aller et au retour, d'accord. Son déchaînement élémentaire invoque une poupée nommée Coulée en barre qui bondit sans cesse dans une certaine zone, infligeant des dégâts de façon continue aux ennemis à portée. Pour mentionner qu'une de ses aptitudes, championnat de planète Sumeru, due à consommation d'endurance des persos de l'équipe de 20% lors du planète. Ça c'est pas mal. Ah oui, Dory. Personne ne soutient Electro. Comme ça, c'est mental d'éclairer un tir pacificateur sur les ennemis. Un impact crée deux obus de SAV. Son déchaînement élémentaire évoque un Jin qui peut se relier à un personnage proche, régénérant constamment ses PV et son énergie élémentaire. Oh. Parce que Jin entre, le lien entre Jin et le personnage touche un ennemi, il inflige des dégâts électro. Sympa. Vous choisissez Dory pour synthétiser des matériaux d'amélioration de personnel d'armes. Il y a une certaine probabilité qu'une partie des matières premières vous soit en... C'est pas mal. Il y a plus de nouvelles, les nouvelles armes. Donc, j'ai vu un poisson, ça m'a, j'ai bugué un peu. D'accord. De nouveaux sets d'artefacts. Il y en a sur les dégâts d'Endro. Intéressant, du seigneur des bêtes fongies. Donc ça c'est un boss. Il est assez stylé. Au niveau des couleurs surtout. Il y a un état spécial d'activation. Hein. Dans cet état particulier, déclenche des attaques encore plus redoutables, quel qu'il soit épuisé. D'accord. S'il n'est pas activé, champion panaché peut être brûlé via l'utilisation. D'accord. Qui fait en état calciné. C'est pas mal ça. Et porte d'espoir pour mettre fin à cet état. Ok, il a envoyé des sports pour plus être en état brûlé. De l'arcon foudroyé. Ah, un arbre électro, d'accord. Oh, je sens que lui va être vénère. En vrai, non, mais. J'ai l'impression. En même temps, ce tir puis déclenche une puissante explosion électrique lorsqu'ils entrent en contact. Ah oui, donc ça il faut l'en empêcher. Oh, de nouveaux mots. Là on arrive à Horizon version Genshin. D'accord. Donc lui il est aussi dangereux. C'est de nouvelles créatures. Bien,
会有非常多有趣的内容，无论是战斗还是区域玩法，我们都希望旅行者可以从中收获更多与以往不同的乐趣。C'est la phrase automatique que tu dois dire aux joueurs pour les joueurs. 虚迷的开发对我们团队也是一段难忘的经历，这些旅程中的体验是我们与大家共同构建出的美好回忆，也是献给旅行者的独一无二的故事。那谢谢两位和我们一起探索了奇妙的虚迷大世界，也请旅行者们稍事休息。OK, on a une pause. 我们一起来了解3.0版本的活动。Sur les événements de 3.0. 再见，大伟哥，再见。Donc on a le code, je vous laisserai le taper pour, à moins que vous l'ayez déjà fait. Ok, on va passer. 前瞻特别节目，刚才我们穿过了茂密的雨林，感受了草之国须弥历久沉淀的智慧，还有神秘的异域风情。没错，那么也希望各位旅行者可以早日踏上前往须弥的旅程。是啊。不过在那之前啊，我们还是请原神的战斗设计师鸡哥来跟我们聊聊，在须弥之旅中啊，我们还会遇到哪些新奇活动吧。好的，旅行者们好，来到须弥之后呢，各位旅行者也可以去往游历各处，体验一下不同的活动玩法。比如说最近啊，奥摩斯港，也就是须弥的最大的港口，里面有一家玩具店，这家玩具店的工匠们呢，正在为开发新玩具而苦恼着。那对于像我们这些缺乏童心的大人们来说嘛，做出富有童趣的玩具不是一件容易的事情，所以在活动雕琢童心当中呢，旅行者将和科莱一起在须弥的各处寻找素材，帮助工匠们收集创作灵感，获取巧思手记来兑换店员们提供的报酬。雕琢童心啊，确实很适合跟科莱一起去完成。这么看来，活动里也会有关于科莱的新剧情吧？没错。这次活动啊，不光是克莱的新剧情，当玩家体验这次活动的引导任务雕琢难攻时，不需要大家达成任何额外的目标，就可以直接邀请克莱进入到自己的队伍。那你刚才有说到克莱和旅行者要去收集玩具创作的灵感，但灵感这种很虚无缥缈的，到底怎么去收集呢？啊，其实呀，灵感是有很多种途径可以去积累的。第一种途径呢是留影，也就是大家所说的拍照。在须弥地区存在一些新奇的物种，这些奇妙的生物呢，都是童话故事当中的常客。我们将它的身形拍摄下来，就能够作为这些玩具外形的参考。而在须弥还有一些包含丰沛草原素的物种，它们也是值得留影的对象。第二种途径是挑战，也就是玩家耳熟能详的战斗玩法。玩家与须弥野外的两种巨兽对战，考察它们的特性，完成一些特殊的作战目标。这些异种魔兽的进化演变呢，也同样充满了奇幻的色彩，值得玩家好好去研究。第三种途径是疾行，也是大家常说的跑酷。在须弥的密林当中不断的穿梭跳跃，跨越障碍与险阻，在急速冲刺收集冒险币的同时呢，大家也可以顺便熟悉一下须弥雨林中的地形。最后一种途径则是让大家与更多的新敌人进行战斗，通过这些战斗呢，来充分的了解和体验须弥野外的生态，并且也能够去接触新的元素反应效果。在这项挑战中触发激化、绽放等相关的不同反应时，okay, 还会产生特殊的冲击波，辅助大家完成这些挑战。看下来，这些玩法大多都是在须弥的野外进行啊。那通过这种方式啊，旅行者应该也能更好的去了解须弥啊。是的，那通过留影、挑战、疾行和利用新的元素反应战斗这几项玩法呢，大家既能够更快的熟悉须弥野外的环境与战斗方式。还可以收集到一些称为随想草稿的物件，将它们交给店员，从而换取珍贵的木刻部件，将这些部件组合成可爱的小精灵木刻，可以放在活动的展台上，希望他们可以让孩子们再次展露笑容。哎，真是一个很有童趣的活动啊，那很符合须弥啊，给我留下那种奇幻的这种印象，就像置身于童话故事中一样。是呀。那除了刚才的活动之外呢，还有一些挑战活动可以给大家提供非常新鲜有趣的战斗体验。
比如接下来要给大家介绍的这个叫做异神的论证的活动。Épreuve de phase. 在这个活动当中，我们为大家提供了完整的试用队伍。Une équipe à l'essai. 这些队伍对大家本身的角色练度没有任何要求，而且呀，在这次活动的秘境当中，玩家还可以使用一种特殊的药剂。C'est une potion spéciale.这些药剂可以使自身的思维快速运转，从而可以在战斗当中看到有如时间停滞一般的奇妙景象。哎，是不是可以趁这个时候我们就可以去偷袭一下？其实啊，在这种状态下，角色和怪物双方都是静止的，但是啊，玩家可以通过取景框来捕捉敌方的破绽，并释放一些特殊的技能。当玩家捕捉的破绽突破一定数量的时候呢，这些特殊技能的威力才会得到提升。通过不断的击败敌人，大家可以积累异神剂量，从而最多使用三次这种药剂。在此之外呢，一些怪物的身上还会存在一些特殊的金色破绽，捕捉这些破绽也会大幅的提升异神药剂的积累量。除了异神的论证之外呢，在 3.0 版本还有一项能够随机抽取增益效果的挑战活动，叫做片剂深岩。在这个活动当中，大家可以自己组建队伍，而系统也提供了一些试用角色供大家选择。每一个试炼分为三轮挑战，在挑战中大家每次使用特殊装置则会随机激活一种或者多种增益效果。挑战中我们还是需要能尽可能的击败更多的敌人来获取评分，从而获得对应的文章。那在快节奏的战斗挑战之外呢，由老朋友沃尔曼组织的密宝迷踪活动也会在 3.0 版本再次和大家见面。这一次啊，旅行者又可以和沃尔曼以及他身边的小仙灵进行合作。当旅行者带上小仙灵结伴寻宝时，可以根据沃尔曼的藏宝图前往埋藏宝物的区域，先帮助小仙灵汲取元素力，随后在仙灵的指引下进行宝藏挖掘。除了挖掘本身可获得的奖励之外，还可以用挖到的古铁钱兑换其他的奖励。Les événements n'ont pas l'air trop motivants, mais c'est bon, ça permet d'avoir une autre fée. 装备之后呢，就可以唤醒她陪伴自己一起旅行了。最后，在 3.0 版本，我们还会再次开启地脉义勇活动。Au fur et à mesure, je vous dis, non, let's go. 这也是大家非常期待的刷狗粮活动。地脉义勇的活动啊，对于角色的培养应该会有不少帮助吧？是的。哎，就是不是？新版本的角色活动起源，鸡哥也给我们介绍介绍吧。没错，我刚才还在纳闷为什么大伟哥迟迟不问角色活动起源的事情。那么好，我们现在就赶紧来看一看新版本的角色起源都有哪些角色会出场呢？在 3.0 版本第一期的角色起源中，全新角色提纳里将在群域议会活动中获得概率 up。而在同期的角色活动起源二中，将会开放钟离的复刻活动。新角色克莱也会作为 UP 角色出现在这两个角色起源当中。需要提醒大家的是，提纳里并非限定角色，他会在 3.1 版本更新后加入常驻起源。在第二期角色起源中，大家的老朋友甘雨和珊瑚宫星海这两位角色都将会迎来复刻。而新角色多利也会出现在第二期的两个角色起源中，获取概率大幅提升。Moi, je pense que je pulle que la première bannière, mais un tout petit peu, parce que je voudrais garder des liens. 那谢谢鸡哥啊，一口气给我们分享了这么多的这个活动内容啊。那我最后还有一个问题啊，3.0 版本中有关系统方面的更新和未来规划，是不是鸡哥也可以给旅行者们透露一点点呢？当然可以了，我们的系统设计师同学呀，也给大家准备了一些优化和更新的内容。首先，对于各位还奋战在诸圣秘境当中的旅行者们，我们有一个好消息要带给大家。所有在 1.2 版本前更新的五星圣遗物，现在都可以在环圣奥迹系统中进行转化获取了。在环圣奥迹系统当中呢，我们可以通过消耗三个五星圣遗物来制造指定套装圣遗物的圣匣，从而获得一件指定套装中的五星圣遗物。此外，在新版本中，我们也准备了三个全新的小道具：王树瑞佑、试验型超燃灯和鱼线稳定器。王树瑞佑可以使旅行者在使用该道具后直接获得附近树木的木材。试验型超燃灯会通过消耗矿物来提高食材加热效率，而鱼线稳定器
则可根据过去钓获的鱼类数量，在钓鱼张力处于最佳张力区时，提供不同等级的提升效果。La pêche, on fait plus trop depuis la lance pour Shogun Raiden. 希望我们这次优化可以进一步的提升玩家的体验，让大家能够更畅快的进行冒险。没错，那与此同时呢，还有一个关于未来版本的消息。La 3.1 okay. La 3.0 c'est le 24 août, la 3.1 c'est le 28 septembre, la 3.2 c'est le 2 novembre et la 3.3 le 7 décembre. 其实今天啊，我也给大家带来一个有关新地区的情报。随着 3.0 版本的到来啊，须弥地区的音乐也会和地图同步开放。相信在之前的宣传视频中啊，大家已经对须弥音乐有了初步的印象。那么接下来啊，我们给旅行者准备了须弥音乐的现场实录啊，让我们一起感受一下须弥音乐的氛围吧。OK, bon, là c'est j'avais vu ça, il y a un petit instant de Sumeru. On va pas écouter tout ça, hein. 希望大家。Bon, là on est sur 20. Ça c'est pour les musiques. Et le dernier code 4T7, voilà. 来说啊，都是历练。Ok. En tout cas, on va pas aller plus loin, hein, il a rien d'autre à dire. Sumeru va être incroyable, l'extension va être très très folle. Bien sûr, on fera les streams, on fera les quêtes que je mettrai sur YouTube, vous savez, ce genre de trucs, vous savez, pour les quêtes d'histoire des persos, etc. etc. La version qui nous a dit, si je vous dis pas de bêtises. C'est pour le 24 août. Donc le 24 août, on fera un live de Genshin, sur Genshin. Et bien sûr, bah, pour les autres, pareil. Et de temps en temps, j'essaierai de faire des lives Genshin. Voilà, pour toujours être, vous dire que je suis assez présent dessus. Donc voilà. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai hâte d'avoir les prochains programmes spéciaux sur les autres personnages. De Sumeru dont j'ai vraiment hâte d'y accéder. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Sur ce, ciao ciao.